c'est tous les jours de Manche. Bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Amélie, salut. Charles, Manu, Apo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 octobre et déjà, on aimerait être le 30 juin. Hein. Cette rentrée nous a usés. Manu, il en peut plus de l'actu. Tout à l'heure, il était devant le journal et il lui gueulait dessus en disant... Ah, c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, et Kevin. Des moulures en plastique, Kevin. Et gueuler sur l'actu. Le son est parti un chou en retard, c'est dommage. Bon, alors, le conflit israélo-palestinien nous rend collectivement très nerveux. Même Enrico Macias craque. Vous l'avez vu ? Il a déclaré qu'il fallait dégommer physiquement les insoumis à cause de leur refus de dire que le Hamas est un groupe terroriste. Quand un pays arrive à un stade de déchirement où Enrico Macias t'explique qu'il va te maraver, c'est quand même qu'on a franchi un cap. Dans trois jours, on va avoir des débats lunaires. Bonsoir, Manuel Bompard est avec nous, ainsi que Plastique Bertrand, de retour dans notre page culture. Mais d'abord, Manuel Bompard, le Hamas, terroriste ou pas ? Écoutez, je ne sais pas, nous à la France Insoumise, nous sommes pour la paix, donc nous refusons la guerre. Bompard, va te faire foutre et va te faire cuire le cul sur une grille de barbecue. On va t'épiler les testicules avec une râpe à gruyère. Oh, plastique ! C'est élégant. On va voir Mathilde Panot se faire bolosser par Henri Dess. Popek va aller uriner dans les cornflakes de Jean-Luc Mélenchon dans Thé ou Café. Et il y a Jackie du Club Dorothée qui ira roter à la figure de Daniel Obono. Ça devient n'importe quoi. Les Insoumis ont déclaré être inquiets des déclarations d'Enrico Macias. Ils ont peur que quelqu'un passe à l'acte. Je comprends que ce soit désagréable, mais enfin, de là à avoir peur des fans d'Enrico Macias, normalement, t'auras le temps de les voir arriver, quoi. À 96 ans, ils sont pas en mode furtif. Même si une mamie veut vous taper dessus à coups de parapluie, vous pouvez esquiver, c'est pas méchant. J'ai envie de réécouter Plastique Bertrand. Ah, c'était trop rapide. C'était tellement drôle. Bon, je le réécouterai en podcast. Je le réécouterai en podcast. Catherine Deneuve. Deneuve va jouer le rôle de la super-héroïne Black Widow pour Marvel. Oui, Black Widow, la veuve noire. Bah, c'est la suite logique. Catherine Deneuve vient de jouer la veuve grise des mauves à fleurs, puisqu'elle triomphe dans Bernadette Chirac. Alors, ça a l'air d'être une blague, mais c'est une fiction audio, en fait. C'est pour ça, ce qui est dommage. Ouais. Parce que vraiment... Catherine Deneuve, 79 ans, qui fait des mawashigeri à des extraterrestres, je regarde. Moi aussi. Avec Gérard Depardieu en Captain America et Enrico Macias qui va dégommer Crâne Rouge, le communiste. Là, c'est pas l'univers Marvel, c'est l'univers Marcel, quoi. Dans le rôle de Hulk, Gérard Jugnot. Dans le rôle de Thor, Michel Thor. Dans le rôle de Ant-Man, Mimi Mati. Mais bon, c'est dommage. C'est que de l'audio. Ça reste néanmoins une audace, Catherine Deneuve. Tu sens que le directeur de casting est un peu punk. Il doit être à deux doigts de faire « Bon les gars, aujourd'hui on enregistre la voix de Black Panther. J'ai fait appel au comédien idéal pour le rôle. Attention, Michel Leeb, première. Oh. Ah dis donc, présentement là, oui, je suis Black Panther, le super-héros africain. Non, Monsieur Leeb, parlez normalement, s'il vous plaît. Ah Thanos, je vais te manger là, dis donc. Quand on, tant qu'on parle de casting improbable, aujourd'hui c'est aussi la sortie du film Le Consentement. Adapté du livre de Vanessa Spingora avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de Gabriel Matzneff. Et c'est bien fait pour Gabriel Matzneff. Voilà, il s'est toujours pris pour un homme charmant et délicat, beau et distingué, la fine fleur de Saint-Germain-des-Prés. Et badabim, celui qui joue ton rôle, c'est Jeff Tuche. Bien on l'a dit en lui rasant la tête. Allez, crac, double peine. Va draguer à Saint-Germain-des-Prés avec ça. Monsieur Matzneff, on m'a dit que vous étiez un intellectuel brillant. Bon ouais, hein. Et moi j'aime bien écrire des livres, puis aller au McDo avec des collégiens pour manger des frites. Puis j'aime bien la philosophie, les voyages en Thaïlande. Là, on a fait un dîner avec mon ami Frédéric Mitran. Frédéric ! Oh ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi que tu gueules comme ça ? Oui, parce que c'est Danny Boone qui va jouer son rôle. Ah oui, voilà. Okay. C'est bien fait pour tous les deux. Allez, bon week-end. Je pars jouer à Rouen, à lundi. Non, pas, on est jeudi. Pardon, on est pas jeudi. Bon week-end. À demain, à vendredi. Vendredi. Ah voilà. Ça plane pour fatigué, lui. Ça plane, ouais. De Manche pirate le face-à-face. Attention, bonjour. Bonjour Arnaud, vous piratez le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Oui, donc le fils de Patrick Dupont et de Nanny Moretti, ou alors on m'a mal renseigné dans la régie. Enfin, une interview qui sera pas facile, vous allez avoir en face de vous un grand avocat, Apolline, qui sait qu'on peut garder le silence lors d'un interrogatoire. Vous allez lui poser la question qui fâche sur sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, il va croiser les bras, il va rester muet comme ça. Et dans votre tête, Apolline, ça fera...
C'est Isabelle Boulet, mais c'est sa compagne. Ah, c'est bossé, hein, la structure. Et tout. Je vois que vous avez bossé la bio. Ah, mais à fond. Un avocat en couple avec une chanteuse, bah, comme Nicolas Sarkozy, sauf qu'Isabelle Boulet, contrairement à Carla, on l'entend quand elle chante. Alors, vous allez aussi l'interroger sur, sur la réponse judiciaire aux actes antisémites dont on redoute la multiplication. Mmh. Et il va répondre, nous serons particulièrement attentifs, elle sera ferme et sévère. Mmh. C'est dur de dire ça parce que ça sous-entend que d'habitude ils sont pas attentifs et que du coup la réponse est molle et sympa, donc attention. Et Éric Dupond-Moretti comparaîtra, on l'a dit, devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Alors quand vous l'interrogerez, attention à ce qu'il vous embrouille pas en mode « Madame, mon client, Monsieur Dupond-Moretti, a fait appel au cabinet Dupond-Moretti pour le défendre. J'ai donc écrit au nom de Monsieur Dupond-Moretti au ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti, qui a fourni au cabinet Dupond-Moretti toutes les pièces concernant Monsieur Dupond-Moretti, qui compte donc sur Monsieur Dupond-Moretti pour aider Monsieur Dupond-Moretti. Et j'ai toute confiance en Monsieur Dupond-Moretti. Lequel ? Tous, mais surtout Monsieur Dupond-Moretti. Ne vous laissez pas balader. Allez, rendez-vous à 8h30.